C'est normal. Yalo! Yalo! C'est que tu es la seule personne qui a même eu le bébé dans la famille. Tu sais ce que tu fréquentes que pour toute la famille. C'est pas pour toi seul. Arrête-moi ça! Y'a quoi là, mais y'a quoi? Tu n'as pas honte? Oh! Figure! Y'a quoi? Tourne le film devant toi. Quel film? Attends, quelle chimie? La chimie. Quelle chimie? La chimie, j'ai la chimie. Quelqu'un mon chimie. Téléphone, c'est moi qui t'ai acheté le téléphone. Ah, j'ai ce téléphone, c'est la chimie. C'est nul, c'est nul. Regarde dehors. Regarde dehors. Moi, c'est Bretel. Le cul, le. Gogo Gadget. Gogo Gadget. Satan. Tu n'es pas honte. Dis-moi, tu n'as pas honte? Ta réunion, moi je ne parle pas. C'est ce que quelqu'un qui va aller à ta réunion là. Pourquoi? Dans un monde qui évolue, nous devons tous suivre la dynamique et se mettre à jour, chacun dans son domaine de prédilection. C'est pourquoi Joe Cargo a pris l'engagement ferme dans le domaine de l'import-export de faciliter l'envoi de colis de la Chine vers le Cameroun et plusieurs autres pays africains. Joe Cargo. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Cargo, cette entreprise pour l'expédition de colis express, oui, c'est le Michael Nye des colis. Avant, beaucoup étaient ici, tu envoies un paquet, le paquet attaque les bénéficiaires en route, ton colis fume le mangue en route, tu attends, ça ne vient pas. Il aurait fallu que Joe Cargo vienne. Ce qui est impossible, impossible avec Joe Cargo. Sachez que Joe Cargo ne fait pas seulement les expéditions pour le Cameroun, partout en Afrique, partout, bref, c'est le marabout de l'expédition de colis. Oui, on expédie par voie aérienne et on expédie aussi par le bateau. C'est un mélange entre les Chinois et les Camerounais. Joe Cargo, si tu n'existais pas, il aurait fallu. Découvrez Joe Cargo, la solution idéale pour l'envoi de colis depuis la Chine vers le Cameroun et bien d'autres pays à travers le monde. Chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. C'est qui? C'est moi, maman, le répétiteur. Ah, entre mon fils. Quel bon vent t'amène, puisque c'est pas ton jour de répétition. Ah maman, il y avait un cours là qu'elle doit assimiler. Donc c'est ça que j'ai passé, vu que la pêche moi ne passe pas. Elle a un cours à assimiler. Oui, très important. Puisqu'il y a un examen qu'elle doit composer là. C'est en deux jours, je crois. Mais son téléphone passe pourtant. Ah bon? Oui. Mais depuis la pêche, son téléphone ça ne passe pas. C'est tellement le réseau. Le réseau dérange tous ces temps. Elle est là. Oui, elle est là. Ah, poum-poum! Poum-poumé! Là, répétisseur, il y en a, il y a. Ouais, dépêche-toi, non? Passe comme ça, dis donc. Ton répétiteur, là, tu te mets à côté. Oh. Comme tu n'aimes pas l'école là. Ton répétiteur
viens, tu piaffes. Hein? Tu n'as pas composition dans quelques jours. C'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle. Mais tu boudes ton répétiteur. C'est-à-dire qu'il faut aimer l'école. L'école, c'est ton premier mari. L'école, c'est ton premier mari. Maintenant, quelqu'un qui est là pour booster ta sagesse et ton intelligence, tu boudes. Le voilà qu'il y a un cours important. Parce que tu composes dans quelques jours. Aujourd'hui, ce n'est pas votre jour de répétition. Il sacrifie ce qu'il avait à faire pour venir. Tu devais être plutôt contente. C'est moi qui dois encore courir derrière elle. Papa, laisse. C'est que les enfants d'aujourd'hui, certains aiment l'école, mais d'autres là, je ne sais pas. Tu dois avoir la chance. Tu dois avoir la chance. Bon, donc concentre-toi, sois attentive, concentrée sur ce que ton professeur va te dire. Hein? Je vais finir de faire quelque chose là-dedans. C'est fini, quand même que j'attendais. Okay. Jusqu'à... Merci, maman. Merci. Si viens, tu m'appelles. Hein? Mais concentre-toi. On finit le coup là aujourd'hui. Il faut finaliser, papa. Et si elle s'entête, n'hésite pas. Mais il n'y a pas de souci. Je dépense beaucoup pour sa réussite. Je crois que c'est la page. Je crois que la page 17 et la page 18. On va travailler sur les deux pages. Ça, tu dis bien, mon bébé. Tu as compris? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le répétiteur. Maman, si tout se concentrait comme ça dans leur... Ça réussit, maman. Si tout se concentrait comme ça dans leur travail, le Cameroun s'irait mieux. Amen, oh, la mère, amen. C'est normal. Tu vas que tu vas encore me tuer. Je vais fouiller ta tête. Tu vas chier quoi? Tu vas chier quoi? Tu m'appelles par quoi? Je vais te dire un truc. L'opération était que tu mets là-bas, mon examen. Et puis ça, tu as échoué. Mais on est tente même. Je vais te gifler quand tu vas encore me tuer, imbécile. Tu touches qui? Tu touches pas. Tu touches qui? Tu as mal ta tête. Et toi, quand tu me rejettes? Touche-moi encore. Et ça, comme tu sais que. Regarde, me fais-toi. C'est qui? Comment tu dirais? Ah, t'entends, entre. Pardon. Yallo! Yallo! Oh, mais, passez-moi, je suis là. Ça va? Ah, toi, tu ne passes pas à la maison. Ouais, t'entends. Tu ne passes pas à la maison, c'est pas bon. Tu restes comme ça, passer même le week-end, laver mes habits. Tu es incapable. Ça va. Ça va. Tu grandis. Pas nous gambes, mon gars. Alors, moi, j'étais loin, hein. T'es très loin. Parfois, quand tu appelles ma crise, tu ne connais pas mon programme. Où est mon ménage, je fais dans les visas. J'ai plein de gens qui m'attendent avec les visas. Quand vous êtes ici, c'est normal. C'est toi qui n'as pas resté telle heure de notre rendez-vous. J'ai attendu ici plus de 2 heures. Mais toi, tu m'appelles pourquoi? Il y a quoi que genre? Tu me dis, maman, viens. Oui, papa, je t'ai appelé parce que je ne pourrais pas assister à la réunion familiale. Donc, c'est pour que tu dises à Henri qu'il me cotise. Mais tu vois pas, pourquoi tu me dis pas sur le téléphone? Tu me fais mon transport, tout. Tu prends le transport. Venez dans ton quartier, c'est loin, c'est pas à côté. Aïe. Mais quand c'est pour venir m'exposer tes problèmes, là c'est pas loin. Maintenant quand c'est pour me rendre service, c'est loin. De toutes les façons, hein, c'est le répétiteur. Oh, c'est salué mon frère. Ça va? Aïe, t'en pas quoi, oui, c'est lui. Aïe. Elle est brave. Non, elle est très brave. Waouh. Oh, tu m'as ressemblé. Oh. Mais moi, c'est dans le vent. Aïe. Donc. Aïe, quand même, petit.
Oh oui. Non, vraiment bravo, merci beaucoup. C'est un garçon. C'est mon nom, hein? Bon. C'est mon nom. On a le même nom. Toubette. Elle s'appelle Toubette comme moi. Elle est Toubette. Ok, mon fils. J'ai lu le feu. Il est reparti. Donc tu dis à Henri de gérer tout ce qui. Toi, tu veux. Oh, tu vas quoi, Henri? Je vais faire un peu. Le pépé soupe. Mangou! Ouch! Tu attends alors. Mangou! Tu attends alors. Ah oui, 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 maman! Avec le plantain tapé à l'huile rouge. Ouf! Ça, c'est le bas à la tête de ça. Maman, ça, vas-y, maman, vas-y. Oui, j'étais pressé, mais le ventre qui porte la tête. Hé! Hey, tout, c'est. Waouh! Et là, vous avez fait les cours, vous avez. Non, non, c'est qu'il y a un cours très important qu'elle a assimilé. Donc, elle a un examen dans 2 jours. Et il faut qu'on travaille, on travaille beaucoup. Ah, ok, là c'est l'école est important. Hein. L'école, c'est ton avenir. Oh, et tu sais que tu es la seule personne qui a même eu le bébé dans la famille. Tu sais que c'est ce que tu fréquentes que pour toute la famille. C'est pas pour toi seul. On dit quoi, je m'en comprends. Tu comprends, non? C'est ce que tu fréquentes pour tout le monde. Tu fréquentes pour ta mère. Tu fréquentes pour moi. Tu fréquentes pour tes oncles, tout le monde. Vous allez commencer à quelle heure? Non, dans quelques minutes. Ah, ok, papa, je ne vous gêne pas. Allez-y alors, je vais. Ah, ça, oui, j'attends mon bouillon. Ah, ok, ok. Donc, on va faire ce pain. Tu n'as pas un stylo? Peut-être que tu prends une note. C'est fini. Mais même dans le téléphone. Même dans le téléphone, elle a joué. Par le téléphone. Oh! Il n'y a pas le comportement là. C'est parce que ton répéteur, vous avez presque le même âge. Est-ce que vous avez le même cerveau? Vous les enfants d'aujourd'hui là, respectez les gens qui vous donnent, qui pleurent votre réussite. On va commencer par. Regarde, il faut fouetter. Il faut fouetter. C'est que la tourbette, elle est comme ça, le tête. Il faut fouetter. Non, moi je ne fouette pas quand je l'apprends. Je ne fouette pas. Donc si elle veut. Mais elle assimile vite. Très vite. Elle assimile très vite. Bon, on va commencer par la page. Tu sais que moi je ne connais rien à ça, donc ne me demande pas quelque chose. Pardon. Ah. Bon. Pourquoi tu ne prends plus mes appels? C'est quel coup ça? Non, c'est la philosophie, c'est René Descartes. Ah! Voilà! Pourquoi tu ne prends plus mes appels? Voilà! Point. Parce que j'ai bloqué exprès, je ne veux plus. C'est ça? La bonne réponse? Ouais. Voilà. Ouais. Tu vois, elle n'est pas. Elle se demande que tu n'es pas bête, hein? Elle demande que tu n'es pas bête. Est-ce que tu sais? Ça, c'est. Platon. Tu connaissais Platon? Non, la Tu es un grand philosophe. Mais la question c'est quoi? Est-ce que tu sais que ce téléphone, c'est moi qui te l'ai offert? Voilà. Tu dois avoir la chicotte, mon frère. Tu dois avoir la chicotte. Oui, je sais. Mais je peux te le remettre maintenant si tu veux. Oh. Là, c'est elle a réussi. Elle a réussi quand même. Il faut fouetter. Bien sûr. Ah, elle a ça vient ça. Oh, tout bête. Ça le manque. Nous t'ont dit quoi ici? Mais ton numéro passe ailleurs. Chez moi. Ça ne passe pas. Vraiment. Oui, on avait un accord. Tu as échoué, non, j'ai bloqué. Mais tout. La fille, c'est la tête, oh. La fille, c'est la tête, hein. Oh. La fille, c'est la tête. Et il dit ici, c'est l'amour qui va me tuer. Et il va seulement mourir.
On va aller en histoire. Ici, c'est un philosophe qui a fait aussi l'histoire. Il appelle l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu sais, dans ses écrits, ce que tu représentes pour moi? Je ne sais plus rien. Je t'ai dit que je ne voulais plus rien. Ça, c'est après quoi, c'est... Non, c'est l'histoire. Ah, l'histoire. Okay. Et le vide que tu as laissé en moi, il pleurait même dans les cris. Ce vide a fait en sorte que ma vie n'a plus de sens. Oh, le père, c'était une grande histoire. Hey, elle n'a plus de sens parce que même il ne voulait pas. Il ne veut pas. Tout me manque sur toi. Waouh, là c'est quoi? C'est ça. Ici on parle déjà de la chimique et la physique. Ah, ben. Attends, toi, quel niveau? Mais c'est un truc intelligent comme ça? C'est un professeur. Ça, c'est bien! Oh, pourquoi les gens se débattent de ma famille? Tes caresses, ton sourire, ta joie de vivre, ton amour pour moi, me manque. Je ne sais pas pourquoi tu es venu sur le jour. Il est venu t'aider! Très belle enfance. Ici, dis à la femme. Oh! Amène-moi ça! Amène-moi ça! T'es encore la meilleure, toi? En tournant le film devant toi. Quel film? En tournant le film devant toi, tu as fait un couple. Dans tout le langage ici. Donc tu n'as pas compris que les deux sont ensemble. On ne sont pas. Elles sont ensemble. Elles sont avec elle. Je sais que avec moi. Tout le langage qui était là, le langage codé. C'est un langage philosophique. C'est un langage philosophique. La philosophie. Il y a la chimie, il y a la science. Tu as fait philosophie. Il y a l'histoire. Attends, que chimie? Attends. Tu décolles les téléphones de tout le monde sauf ma part. Parle. Dis la vérité. Ouais. Dis la vérité ou je te mets le piment partout maintenant. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis-moi, je ne sais pas nous comment tu te réponds. Ouais. Mais vous êtes sortis ensemble. Et j'imagine qu'il devait m'aider à réussir. Après, il n'a pas parlé de tenir sa parole. Le cerveau qui est ici là. C'est lui qui porte ton cerveau. Cerveau condom. Cerveau condom. Un cerveau, c'est le complémentif qui est plein dedans. N'a pas honte. Pepe Soubia, Zoé. Ça. Pepe Soubia. Abraham. Comme c'est vrai. Comme c'est vrai. Comme c'est vrai. Merde. On tourne, on joue le match devant toi. On te dribble. Recherche-moi mes servis. Qu'est-ce que vous servez? Mets-moi la tête. Toi et moi. Dans la maison. Il faut la fesser. Non, tu me dis, c'est pas moi. Attends, tu peux dire la peine. Parce que moi, ça me plaît. Il est comme ça, il est comme ça. Il est comme ça. Il y a une chose. Ça, c'est. Il y a les gens qui ont besoin que tu les soignes dans la famille, mais tu vas les soigner dehors. Tu passes à la famille.
Attends, c'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Le sucre n'est pas sucre d'amour, c'est sucre d'aimer. Tu n'as pas honte que nous sommes dans l'église nous aider. Toi, tu peux aider les gens. Tout va les nourrissons, ça va être quoi? Maintenant, quoi? Satan! Tu n'as pas honte? Mais c'est où? Dis donc, tu n'as pas honte? Le bébé, c'est dans ta grosse bouche. Avec tes grosses lèvres comme 10 kilos de bœuf. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire quoi encore? Tu n'as pas honte, Fingon. Je sais. Tu n'as pas honte, Fingon. Même si pas qu'un homme dans la famille gâte tout mon enfant, c'est toi, Fingon. Fingon, tu n'as pas honte de parler des choses comme ça, Poupoum. Je fais quoi? Tu demandes à Poupoum de venir chercher quoi chez toi, Fingon. Laver le sol. Laver le sol. Et tu lui dis qu'elle soigne les autres. Au lieu de te soigner. Elle est infirmière. Elle est infirmière. Comment elle est infirmière? Elle fait médecine. Tu nous sors vite. Et je vais dire ça à mon mari. Je vais dire ça à mon mari, ne pas lui cacher. Eh Fingon. Eh Fingon. Hey. Jusqu'à il te mal au bébé. Ta réunion. Moi je ne parle pas. C'est quelqu'un qui va aller. À ta réunion là, on voit quoi? C'est ça. Oui, non, il n'a pas goûté. En tout cas, il attend. Tu es devenu quoi? Il te parle comme ça, tu ne peux même pas crier. Tu ne peux même pas m'appeler, tu ne peux pas crier. Tu ne peux même pas enregistrer. Donc, tu es content d'aller avec nous. Ta parenté. Il y a l'inceste, hein? Passe comme ça. Fingon, Fingon, ça, ah, c'est bon de vivre pour voir. C'est bon de vivre pour voir si on m'avait dit que Fingon peut me faire ça. Hey, 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 hey. Hello, Ben Lapadère, je suis monsieur Fingon Travers. Alors, je viens ici vous parler de quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Avez-vous déjà entendu de la marque Bowen? Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Bowen, d'avance. Si vous rêvez de mettre en place une imprimerie, alors voici votre partenaire dans l'impression moderne. Découvrez Bowen. L'entreprise Bowen facilite la création des imprimeries modernes. Nous offrons des équipements de pointe conçus pour répondre à tous vos besoins d'impression. Alors, tel que vous l'avez constaté, la marque Bowen, c'est cette grande marque qui a été inventée en Chine. La particularité de la marque Bowen, c'est que tout est en état neuf. Ah oui, en état neuf. Et vous aviez un an de garantie. Au Cameroun, nous sommes basés à Akwa, à la rue Bébé et Idi. Et ceux-ci sont nos contacts. Si vous êtes en N'Djamena, au Tchad, sachez que vous pouvez faire vos achats et tout de suite, on vient vous livrer sur place. Si vous êtes à Libreville, au Gabon, ceux-ci sont nos contacts. Et pour vous qui êtes au Congo et dans d'autres pays en Afrique, bientôt on sera chez vous. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Car la marque Bowen, c'est pour vous. Et si vous êtes de passage en Chine, n'hésitez pas, appelez-nous, quel qu'en soit où vous trouvez en Chine. Nous trouverons un moyen de vous satisfaire. Car chez nous, c'est satisfait ou remboursé.